Quelles sont les composantes d'un affichage numérique? On pourrait dire qu'il y a trois grandes composantes, le logiciel, les écrans et les lecteurs d'affichage. Première composante, le logiciel, c'est le centre de contrôle, c'est l'outil qui vous permet de gérer à distance le contenu, planifier le contenu qui va s'afficher sur votre réseau d'affichage numérique. Deuxième composante, les écrans. Bon, évidemment, pour faire de l'affichage numérique, ça prend des écrans. Généralement, tout le monde sait que ça prend au minimum un écran pour diffuser son contenu. Troisième composante, les lecteurs d'affichage. Donc, les lecteurs d'affichage, on pourrait l'imager en disant que c'est le pont entre l'écran et le logiciel. C'est-à-dire que le logiciel permet de créer le contenu, l'écran afficher le contenu, mais ce qui fait le pont entre les deux, ce qui permet de communiquer ou de processer l'information, c'est le lecteur d'affichage. Le lecteur peut soit être externe à l'écran, donc un petit ordinateur Windows, Android, Linux, ou alors intégré directement à l'intérieur du moniteur d'affichage numérique, ce qui revient généralement beaucoup moins cher. Mais évidemment, la meilleure recommandation pour un projet va varier selon les besoins d'affichage et l'information qui va être diffusée.